Salut à tous, bienvenue sur Motors TV pour le championnat des rallyes belges édition 2013. Un championnat qui comprendra 8 épreuves et ça commence par le rallye Van Alstengoe. Stéphane, et on va s'intéresser au partenaire principal, BFO, partenaire depuis 3 ans. Wij zijn zeker tevreden met het initiatief. Stefan Vallès dit qu'il est très satisfait de cette collaboration avec le championnat belge rally. Dit jaar is er ook een junior kampioenschap, of vinden jullie daar? Alors, il y a une nouvelle catégorie, le championnat junior. Zeker goed is dat er opvolging is en de jeugd is de toekomst. Oui, c'est une bonne chose que ce soit organisé. Le but, c'est de découvrir un futur talent belge. Freddy, niet meer met een Super 2000, maar met een WRC. En plus, vous avez une écurie. Votre pilote, Freddy Loix, revient avec une voiture de dernière génération. C'est plus une S2000, c'est une Ford Focus WRC. Bah oui, il veut jouer le titre, donc il fallait passer à la catégorie supérieure. Voilà, confirmation de Freddy Loix, associé désormais à Frédéric Miquelotte, et non plus Lara Van Est comme la saison dernière en championnat de France et également en championnat de Belgique. Alors c'est un peu le chemin inverse, hein. Frédéric Miquelotte était le coéquipier remplaçant de Kevin Abring à la place de Lara Van Est. Et désormais, eh bien maintenant que Kevin Abring a mis un terme à sa carrière en rallye, peut-être provisoirement, eh bien Frédéric Miquelotte a trouvé refuge dans cette Ford Focus. Alors c'est l'ex de Jean-Marie Coq, c'est la voiture championne de France des rallyes. Et même si c'est un pilote qui a roulé en championnat du monde, Freddy Loix, eh bien sachez qu'il n'a jamais été sacré champion de Belgique. Et ça sera son but cette saison en 2013. Et il va très vite s'habituer à la voiture, comme on va l'entendre, avec le meilleur temps de la première spéciale, avec 20 secondes d'avance sur ses poursuivants. Est-ce que vous êtes toujours en phase d'apprentissage avec la voiture? Oui, on a déjà fait un test auparavant, mais voilà, et on a encore beaucoup à découvrir par rapport à cette voiture. Alors, il y aura en catégorie WRC Stéphane Launay à surveiller. Alors, avec une WRC certes, mais cette Skoda Octavia est beaucoup plus ancienne que la Ford Focus 2008. Et en plus, Stéphane Launay n'est pas sûr de disputer le championnat complet. Il est encore à la recherche de budget. Stéphane, quel est votre plan pour 2013? Ah, notre plan pour 2013, c'est d'essayer de rouler un maximum. J'aurais bien aimé faire le championnat, donc on est toujours occupé à chercher des solutions. On est déjà ici à Landen, on sait qu'on va encore faire 3 épreuves. Rallye de Wallonie, Lisbeljan et le Condro comme l'année dernière. Mais pour le moment, on est occupé à essayer de chercher des solutions pour essayer d'être présent à Tilt pour la deuxième manche. On va s'intéresser à la catégorie Super 2000 avec le champion qui est troisième de la saison dernière, Vincent Verschuren, toujours avec sa Polo S2000. C'est assez rare de voir cette voiture en compétition, une ancienne version des S2000. Vincent, what is the plan for 2013? Alors, quel est votre but cette année, Vincent? Eh ben, déjà, on aimerait faire le championnat, disputer le championnat complet. Mais il faut qu'on trouve un complément de budget. Alors, il y a également Paul Moutard, un engagé tardif à cette manche avec cette Subaru Impreza WRC. Sans oublier Bert Cornelis, qui est pour la première fois ce niveau avec une telle voiture en Belgique. Quel est votre plan pour 2013? Ah bon, on va essayer de faire le plus de manches possible. Chris Van Hunsel, lui, pilote eh bien, cette BMW Série 1. L'année dernière, il a remporté sa classe. Et c'est également le retour de Mélissa Debacker en Belgique. Elle avait roulé avec une Subaru WRC. La saison dernière, elle était en DS3 R3 en Trophée Citroën en France. Eh bien, elle retrouve le championnat de Belgique à bord d'une Peugeot 207 Super 2000. Là voilà, cette Peugeot 207 Super 2000 vue de l'extérieur. Et un retour également, Chris Prinsen, après des années passées dans le giron Renault à disputer eh bien, les coupes françaises et même européennes. Eh bien, il est de retour en championnat belge avec une Subaru, une Mitsubishi Lancer Evo 10. Alors, il semble que vous soyez le seul à pouvoir vous battre, à vous mesurer avec Freddy Loix. Oui, pas tout à fait le cas quand même, hein. Il évolue sur une autre planète. On va faire de notre mieux, on va prendre les rallyes les uns après les autres et puis on verra bien. Vous allez faire le championnat complet? Oui, oui, c'est une bonne chose, hein. On est content d'être de retour chez nous. Mais pour l'instant, tout va bien pour nous. Troisième de la première spéciale, Chris Prinsen, dans des conditions extrêmement froides, comme vous pouvez le constater.
Et on va s'intéresser également au rallye historique, une des particularités de cette épreuve, avec Dirk De Veux et sa Porsche 911 SC, qui va bien se comporter dans la première spéciale, un deuxième temps. Mais derrière, Robert Brockmann, cet ancien champion d'Europe des rallyes, va assurer le spectacle avec sa Ford Escort MK2. Il n'était pas aux légendes boucles de Spa, mais là, il est de retour au rallye Van Aspegu pour le plus grand bonheur des spectateurs. Et il est devant toutes les Porsche, beaucoup plus puissantes que sa monture, et y compris celle du championnat. Glenn Jensen, copiloté par Lara Vanes, donc l'ancienne copilote de Kevin Abring et également de Freddy Loax. Malheureusement, l'aventure va se terminer assez tôt pour eux. Une incompréhension dans une note, et ce sera la sortie de route pour Dirk De Veux, Glenn Jensen, le champion en titre. Allez, on parle maintenant du championnat junior. Oui, on a fait beaucoup d'efforts pour créer ce championnat junior réservé aux voitures de la catégorie R1 et R2. Et on espère bien découvrir le futur talent belge des rallyes à cette occasion avec cette nouvelle catégorie. Alors, c'est ouvert aux pilotes âgés de moins de 25 ans. Et quel est le prix? Alors, le vainqueur du championnat recevra une inscription gratuite pour l'édition 2014 du championnat belge des rallyes. Il aura une licence gratuite. Et si c'est un super talent, on va peut-être essayer de trouver dégager un peu de budget pour l'aider. Alors, Thibaut Radou, lui, concourt dans ce championnat avec une Ford Fiesta R2, la même qui est utilisée en WRC Academy. Il fait partie des favoris du championnat. Attention également à Mathias Baum avec cette Skoda Fabia R2. Et Mathias Baum n'est pas en tête. C'est Paul Goossens qui domine avec cette petite Citroën C2 R2 Max dans un style extrêmement spectaculaire, comme vous avez pu le constater. Allez, on monte dans le classement général en compagnie de Philippe Craco avec cette Peugeot 207 S2000. Alors, ça a été un ancien junior, mais il est passé à la catégorie supérieure, Philippe Craco. Il est troisième de la catégorie S2000 et on revient en tête de la course avec Stéphane Monet, victime d'un problème de direction assistée. Il avait écopé de 2 minutes de pénalité et chuté ainsi à la 10e place du classement. Il y aura également des soucis pour cette BMW série 1 avec une voiture qui va pratiquement prendre feu et donc ça sera l'abandon. Mélissa Debacarer est 7e au classement provisoire après 4 spéciales. Pour l'instant, il fait extrêmement froid, mais pas de neige. Et voilà, le point stop pour Mélissa Debacarer. Sixième, et bien c'est cette Mitsubishi Lancer. Une catégorie Group A de Mark Steel. Et juste devant, cinquième, et bien c'est Anthony Martin avec cette Mitsubishi Lancer, mais et Group N cette fois. Vincent Verschuren est pour sa part quatrième du classement général, premier de la catégorie S2000 avec sa Polo. Troisième, c'est Bert Cornelis, oui, qui s'en sort extrêmement bien avec sa Subaru WRC. Il a dû se faire une grosse chaleur, hein, Bert Cornelis. Deuxième, et bien c'est Chris Prinsen. Il a profité des ennuis de Stéphane Launay pour gagner une place, mais il évolue à bonne distance du leader sans surprise. Et bien c'est Freddy Loax et sa Ford Focus. Alors, il s'est battu l'année dernière, notamment au rallye du Var. Il était à bord d'une 307 WRC et il ne pouvait rien faire face à cette Ford Focus beaucoup plus récente. Et bien, il l'a acheté à l'issue, ou plutôt son équipe l'a acheté à l'issue du rallye du Var.
Et il a pour objectif cette saison de remporter son premier titre de championnat des rallyes belges. Toujours en phase d'apprentissage et une moisson de scratch pour Freddy Loac, ça se passe plutôt bien. On va justement retrouver le pilote belge à l'assistance. D'inquiétude pour Freddy Loac, très serein. Une séance d'essai grandeur nature pour lui. Perfect, we zitten op schema. Un très bon départ, c'est parfait. Tout se déroule suivant les plans prévus. On a beaucoup appris sur la voiture. Et là, c'est bien d'avoir cette chance de justement pouvoir ajuster les réglages, découvrir un peu plus cette voiture. Je speelt in een andere categorie. Je hebt ook de gelegenheid om te testen. Là, on ne va pas tuer le suspense, mais c'est vrai que vous roulez sur notre planète. Oui, mais c'est bien de prendre cette voiture en main, parce que je pense que lors des prochaines manches, ça sera beaucoup moins facile que ça peut l'être en ce moment. Chris Wilson, deuxième. On est un peu surpris. On ne s'attendait pas à être aussi bien classé, et notamment se battre avec les WRC. On était à une bagarre très serrée avec Stéphane Monet. Alors bien sûr, j'ai fait une petite faute en freinant sur une zone où il y avait de la glace, donc j'ai tiré tout droit, j'ai perdu un peu de temps. Je roule aussi vite que possible, mais sans prendre tous les risques non plus. Tout va bien. Alors Chris Prinsen évolue après ses spéciales à 1 minute 30, un tout petit peu moins de Freddy Loac. Bert Cornelis est 3ème à 20 secondes de Chris Prinsen. La météo ne s'améliore pas pour la seconde journée de ce rallye Van Aspengoo. On va retrouver Mark Trill avec sa Mitsubishi Groupa. Il évolue à 3 minutes des leaders. Il est devancé par une Mitsubishi Groupa Evo 10, piloté par Claude Ball. Melissa Debaca monte à la 6ème place. Elle a profité des soucis de Stéphane Monet. Et d'ailleurs, attention à Stéphane Monet, hein, il remonte, il avait chuté à la 10ème place. Et il n'est plus qu'à 5 secondes de Melissa Debaker. L'Octavia dur pour la jeune pilote belge de remonter. De se battre avec Freddy? Non, certainement pas. D'abord, c'est vraiment deux générations complètement différentes. Et puis bon, Freddy, c'est un des rares pilotes professionnels en Belgique. Il a toujours été professionnel. C'est un autre niveau que moi. Donc ça, évidemment, on ne regarde pas. Je pense que c'est bien pour tous les spectateurs que Freddy soit là, mais c'est clair que ça, on ne sait rien faire contre lui, donc on regarde plutôt d'autres concurrents. Voilà, Melissa Debaker doit résister à Stéphane Monet. Ça s'annonce malgré tout assez difficile. Et sans surprise, elle va rapidement chuter en 7ème position. Place entre Anthony Martin et Vincent Verschuren et sa Polo. 7 secondes de retard pour Anthony Martin. Je voulais viser un top 5 si possible. Pour le moment, je pense qu'on est 5e, donc je vais dire que c'est un bon résultat. Mais on n'est pas loin de Vincent Verschuren, on est à 7 secondes. C'est comme l'année passée au Condroit Lys Belgium, on se bat toujours tous les deux ensemble. Il reste 4 spéciales et on va essayer de le passer. Et le voilà, Vincent Verschuren. Alors bien sûr, perdre une place, ça serait pas forcément dommageable. Hein. Il remporterait malgré tout la catégorie S2000, mais il n'est pas super confiant par rapport aux spéciales qui l'attendent. Vincent, vierde plaats, mais Martin staat heel dicht bij jou. Hein. Vincent, vous êtes quatrième pour l'instant, mais Martin est très près de vous. Oui, oui. Cette seconde, ça va être très dur de garder derrière parce que les deux prochaines spéciales, il y a beaucoup de longues lignes droites qui sont à l'avantage des groupes N par rapport à une S2000.
Est-ce que vous espérez la neige? Non, pas vraiment, parce que j'ai pas les pneus pour la neige. Chris Pensen, pour sa part, chuté d'un rang, il n'est plus que troisième. Il a rencontré des soucis de boîte de vitesse, avec notamment eh bien, plus de cinquième rapport. Ça a causé une petite faute, c'est pour ça qu'on voit la rue balise accrochée sur le toit. Top 3 met deze auto, of eventueel zelfs overwinning in het kampioenschap. Vous pensez que vous pouvez terminer 3e du championnat avec cette voiture? Oui, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Hein. On ne peut pas aller chercher Freddy Wax, il évolue sur notre planète. Mais pour le reste, pourquoi pas, hein. On a vu que la voiture est compétitive et qu'on peut se battre contre des WRC anciennes générations, donc tout peut arriver. C'est une surprise, mais c'est comme ça. Et bien pour la deuxième place, c'est Bert Konanis qui l'échappait belle hein, tout à l'heure avec cette roue de tracteur, ce pneu de tracteur dans la trajectoire. Donc pas de soucis pour sa Subaru Impreza WRC. Et la deuxième place générale, ouais. Toujours spectaculaire, hein, Cornelis. Ouais, tout se passe bien pour vous? Oui, c'est assez surprenant de se retrouver deuxième. On espérait montrer de belles choses, mais en aucun cas on aurait imaginé pouvoir pointer la deuxième place du classement. Donc, tout va bien pour nous. Il fait froid, c'est peut-être gênant pour les spectateurs, mais pour nous, tout va bien. Et on retrouve Freddy Wax. Il a remporté jusqu'à présent 10 meilleurs temps en spécial. Mais à la manière de Chris Pensen, il va également rencontrer des soucis de boîte de vitesse. Et devoir céder quelques scratchs à Stéphane Monet. Et pour s'assurer que la voiture puisse aller au bout, eh bien, à l'assistance, on va décider de changer la boîte de vitesse de la Focus. Ça sera un peu court hein, l'assistance, donc il va y avoir une pénalité pour Freddy Wax. Regardez, voilà, on est en dehors du temps imparti. Il va sortir 11 minutes trop tard, ce qui va lui valoir eh bien 1 minute 50 secondes de pénalité. Freddy Wax, un quartier over time. Freddy, est-ce que vous êtes nerveux? Oui, je suis nerveux. Je pense que nous avons tout sous contrôle. Pas vraiment. On avait une belle avance en tête. Et l'équipe savait précisément quel temps il lui fallait pour changer la boîte de vitesse. Donc c'est sûr qu'on va perdre du temps. On va être pénalisé, mais on pourra rester en tête. Voilà. Très serein, hein, Freddy Wax. Et heureusement qu'il n'avait pas trop baissé la cadence. Il y aura également des soucis de boîte de vitesse pour Robert Drockmans. Oui, on a eu des soucis de boîte de vitesse. On a perdu le premier rapport et la marche arrière. Donc on avait un peu calmé le jeu dans les spéciales parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir sans marche arrière. On risquait de rester coincé. Donc on a pris la décision de changer la boîte de vitesse lors de l'assistance. Voilà, à 4 spéciales de la fin. Et malgré la pénalité, Freddy Wax dispose malgré tout de 1 minute 30 d'avance sur Bert Cornelis. Et ça s'annonce très très serré avec Chris Pensen pour la deuxième place. Et regardez, la neige commence à tomber sur ce rallye One Last Go. Et on s'intéresse à la catégorie historique. Avec cette Porsche 911 qui va terminer 3e. Derrière Christophe Kerkhover et cette autre Porsche plus ancienne. Mais avec un retard de plus de 8 minutes sur Robert Rodman, c'est sa Ford Escort qui aurait été absolument impériale. Et ce, malgré le changement de boîte de vitesse. Et regardez le spectacle ici de Robert Drockmans. Il était venu pour gagner. Il l'a fait de la meilleure des manières. L'écart 8 minutes. Et pour eh bien les spectateurs, une prestation fabuleuse. Ludovic Saunier, qui est un ancien pilote de voiture de tourisme en Belgique, s'est reconverti en rallye, en catégorie junior donc. Avec sa Ford Fiesta. Il terminera 20e du général. Derrière, Guylain Demélius, le fils du champion du monde groupe N, Grégoire Demélius. Petite déception pour qui faisait figure de favori, mais c'est pas lui qui va l'emporter ici. Il sera précédé par Thibaut Ladoux avec cette Ford Fiesta R2.
Alors, à noter également la belle prestation de cette Twingo R1. Et du coup, elle recevra un point bonus. Et la victoire va revenir à Paul Gossens et sa Citroën C2 R2 Max. Il aura dominé de bout en bout l'épreuve en catégorie junior, assorti d'une belle 14e place au classement final. Allez, on revient plus en avant au classement avec la 7e place pour Melissa de Baquerer, alors que la neige commence à tomber en même temps que la nuit. La 6e place seulement pour Anthony Martin, il visait la 4e, mais il perdra son duel avec Vincent Verschuren et il sera dépassé par Stéphane Monet. Voilà, 6 secondes d'écart entre Anthony Martin, 6e, et Vincent Verschuren. 5e du général, Vincent Verschuren ici à l'écran, et vainqueur de la catégorie S2000. Et pourtant, il nous l'a dit, hein, il n'espérait pas la neige, il n'avait pas les pneus adéquats. Ça n'empêchera pas de terminer devant Anthony Martin. Bert Cornelis, lui, terminera 4e. Il a été troisième au départ de la dernière spéciale. Ça reste plutôt un bon résultat pour lui. Stéphane Monet était sixième au départ de la dernière spéciale. Et bien en un seul chrono, il va remonter trois places pour terminer troisième à seulement 3 secondes d'une de Chris Prensen, deuxième. Chris Prensen, vainqueur de la catégorie Groupe N. Et la victoire, eh bien, c'est pour Freddy Loix, auteur de 12 meilleurs temps spéciaux sur 14 possibles. Un succès sans partage, attendu certes, mais avec une partition parfaitement exécutée. Et bien sûr, la douche au champagne pour Freddy Loix qui remporte pour la deuxième fois cette épreuve. La première fois, c'était en 2005. Première victoire. Ouais, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas espérer mieux. Tout s'est passé comme dans un rêve. On avait 20 secondes d'avance à l'issue de la première spéciale. On a gardé un bon rythme, et heureusement, parce qu'on a perdu un peu de temps en changeant la boîte de vitesse qui avait un petit souci. On avait besoin de cette avance pour assurer le coup, pour assurer la victoire. Voilà le classement, malgré 1 minute 50 de pénalité, Freddy Loix l'emporte avec plus de 2 minutes d'avance sur Chris Prensen. Belle remontée de Stéphane Lonné 3ème, Bert Cornelis 4ème et 5ème Vincent Verschuren. Le podium avec le sponsor du championnat, également sponsor de la voiture sur la plus haute marche. Et voilà, c'en est fini de ce rallye. Van Aspenbou avec bien sûr Freddy Loix en tête. Là pour l'instant, le classement du championnat. Et lors du classement de la première manche, on se retrouve très vite sur Motors TV pour la deuxième manche. Ce sera le TAC Rallye. Il sera disputé le 5 avril prochain. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous.